Dans quelques heures. Non, dans 24 heures. Dans 24 heures, je retrouve mes enfants et. En fait, je vous dis la vérité. Je crois que j'ai pleuré au moins 10 fois sur les deux dernières semaines qui ont traversé ma vie là. Juste de manque, juste de voir d'autres enfants, d'écouter les musiques de Maria. Je pleurais, tout simplement. Ça va pas voir t'embrouiller avec tout le monde. Si tu t'embrouilles. Tes cheveux ils ont poussé. C'est fou hein. T'as dit quoi là? Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire des vues? Ah t'as besoin de quelqu'un pour du contenu quoi. Non, je peux parler moi de ma vie. Je pense que les gens ça les intéresse. Je pense qu'il y a moitié de gens que ça intéresse et moitié des autres qui me détestent mais qui veulent juste m'entendre dire. Je pense pas que j'ai beaucoup de gens qui me détestent. Ah je crois que j'ai. En ce moment j'ai pas mal de gens qui me détestent. Ah ouais? Ouais. Ils disent quoi? Oh, pas envie de répéter. Allez-y. Non, je regarde plus. Je regarde plus mes messages, je regarde plus tout ça. Je regarde plus tout ça. T'as dit quoi? C'est quoi le truc bleu dans ton sac, s'il te plaît? Ça? C'est quoi le truc bleu dans ton sac? Non, c'est ma veste. C'est ta veste? C'est ta veste? Fais voir ta veste, s'il te plaît. T'as une veste pour moi? T'as une veste pour moi? Oui. Je peux voir s'il te plaît, personne. Mais montre. Mais t'es une fashion, montre-nous. Fais-nous un outfit. Fais-moi un outfit du jour. Ma veste bleue qui m'avait avec les cheveux là. Ah oui, d'accord. Marwan. C'est Marwan. Allez, regarde mes stories. Ma première fan. Quoi? Mais quoi? T'as plus besoin des pansements. Non, Oran il m'a dit que non. Non, Oran il m'a écrit, il m'a dit. Il a dit oui. Ah, je vais lui envoyer. Oui, bah oui. Quel flow tu as, vraiment. Bravo. T'es une fashion toi, non? Tu serais pas une fashion? T'as dit quoi? Elles sont quoi? Tu me fatigues avec tes valises Rimowa. T'as fait un piscine? T'as dit quoi? C'est pour que t'aies des beaux abdos, mon cœur. Ah ouais, bah, clean story. Can I have one more? Donc elle est mon chat devant moi, le pain, le beurre, et voilà, c'est reparti pour moi. Quelle angoisse. Mais ça, j'adore moi ça. Waouh. Bon les amis, pour les nouveaux... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ma petite couille. Ah putain. Voilà, c'est parti pour le retour à la salle. Pour tous ceux que j'ai des nouveaux... On va faire des photos après de mon bide. Je suis arrivé à ma salle de sport. Glace. Glace. Yes, please. Yes, oui. Bon ben voilà, la sauna, je suis à 91 kilos, voilà, j'ai 2 mois sans rien faire, 2 mois sans faire de sport, je viens de vomir là, on n'a pas le choix là, moi sans rien faire, je suis gras comme pas possible, c'est pour perdre 7 à 8 kilos. Vous pas qu'on souffre, on vient de rentrer là, c'est ce qu'on se disait, il fait chaud là hein. En fait, on n'est pas frustré quand on mange. Crevé sur ma vie. Marwan est en train de dormir paisiblement. C'est mon rêve de dormir. Là, j'ai un rendez-vous pour faire maison. Je suis un baby boomer. Je sais pas, je vais voir. Comme la mode là, des mecs en ce moment là. Tu sais, ils mettent tous des ongles de toutes les couleurs. Je vais me faire insulter. Ah ouais. Elle. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Tu m'as manqué mon amour. Oui. Je t'ai manqué?
Bon, première journée à Bali, désolé, j'ai une tête horrible. Je suis couché à 3h du matin, réveillé à 7h, mais c'est normal, c'est le début, j'ai été un petit peu fort. Les enfants sont en train de manger. J'ai passé du temps avec mes filles, je suis le plus heureux du monde. C'est juste que là, j'ai vraiment besoin de repos, je suis très très, très fatigué. Et voilà, je vous montrerai davantage de Bali, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur mon Snap. Je vais poser le téléphone. Je tiens juste à vous remercier pour tous vos messages d'amour apaisé. Je suis à Bali, je suis avec mes enfants, la télé-réalité. Donc vraiment pour tous ceux qui m'insultent très très fort, je ne vais pas vous mentir. Je vous souhaite vraiment que la paix s'abatte sur vous parce que vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez que ce que je vous montre. Tout va très bien dans ma vie, grâce à Dieu. Et voilà. En tout cas, merci du fond du cœur à tous les gens qui m'envoient des très très beaux messages. Je vous lis en ce moment beaucoup. Et ça me fait beaucoup de bien. Je ne vais pas vous mentir que ces deux dernières semaines, ça a été très, 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 très dur pour moi. Je pleurais pour rien. Ouais, je suis un homme, mais je pleurais pour rien. C'est mes enfants, quoi. Et là, ça me fait beaucoup de bien. Et donc, sport à fond et diète à fond. Je vais vous montrer ce que je mange. Je vais vous montrer ce que je mange. Je vais finir de donner à manger aux enfants. Et je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon début de week-end à tous.